Allô? Oui, on le dit. Oui, ok. On est à quel niveau? On a déjà prié, non? On a déjà prié. Ok. Quand j'étais en train de prier, comme je t'expliquais tout à l'heure, Dieu m'a dit que vous avez rêvé sur moi, que vous avez fait un songe. Un songe. Vous comprenez? Tu as fait un songe. Tu as fait un songe. Parce que du moment où je voulais vous appeler, tu as fait un songe. Parce que j'avais déjà mis à cœur de vous appeler. Et c'est là où j'ai vu, il y avait une femme qui faisait le témoignage. Le chef témoignait. Elle avait quoi là sur la cuisse. Avait un problème sur la cuisse. Et c'est là où j'ai vu le témoignage, j'ai vu la femme qui est en train de faire le témoignage. Après, j'ai pris l'argent, je suis allée mettre sur la corbeille. Ah, ça c'est dans le Et songe que avec vous avez l'amour eu de là. Dieu. Oui, ça c'est dans le songe. Donc vous avez fait le songe, vous avez vu quoi? Expliquez-moi un peu ça exactement. J'ai fait le songe. Je vous ai vu, j'ai vu un homme de Dieu. J'ai vu un homme de Dieu et une femme. Avant d'abord, j'ai vu une femme. Quand j'ai vu la femme, elle faisait le témoignage. Et j'avais déjà dans le cœur de vous appeler. Maintenant, quand je fais dans ce son, j'ai une fois, bref, j'ai une fois su que c'était vous parce que je voulais déjà vous donner l'argent, parce que je vous avais déjà demandé votre nom. Et tout pour vous envoyer l'argent de ma dîme. C'est donc à ce moment-là que je fais le songe. Vous avez fait le songe où j'étais en train de. J'étais avec une femme et la femme était en train de Oui, donner le témoignage. et vous allez te demander à ce qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. C'est là où je me suis levée, j'ai mis l'argent sur la corbeille. Dans le songe, je disais qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Oui, homme de Dieu. Oh, waouh. Ça, c'est bien. Waouh. Donc, ça veut dire que si je comprends bien. Vous avez fait le songe, ou dans le songe, j'étais avec une femme qui donnait un témoignage. C'est ça? Et pendant que la femme donnait le témoignage, j'ai dit qu'il fallait qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Et vous vous êtes levé pour Oui, venir. parce que là, Hein? bien sûr, effectivement. Oui, homme de Dieu. Je me suis levée. Parce que c'était du sérieux. Parce que la dame, je revois encore ce songe. La dame avait quelque chose sur le truc. Et elle a montré qu'elle était soignée. Et vous avez commencé à dire qu'il faut faire l'offrande parce que l'œuvre de Dieu a besoin des trucs. Il faut faire l'offrande. Il y avait des gens qui avaient une mine qui mettaient l'argent sur la corbeille. Et moi aussi, je me suis levée. J'avais des billets d'argent. J'ai mis sur la corbeille. Wow. Voilà. Il y C'est avait là une où. lignée des gens qui mettaient l'argent dans la corbeille, qui mettaient Ils mettaient l'argent l'offrande. dans la corbeille. Ils mettaient le coup. Oui, il y avait un long rang qui mettait l'argent sur la corbeille. Moi aussi, je me suis levée. J'ai mis l'argent sur la corbeille. Et c'est là où Wow. j'ai su que je vais soutenir votre œuvre. C'est là où vous avez su que C'est là où il faut que vous souteniez l'œuvre, vous quoi. avez su que je vais soutenir votre œuvre. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas C'est mon là où j'ai œuvre. aussi mis à cœur qu'il L'œuvre faut de Dieu, c'est pas. une œuvre de Dieu. Donc, c'est vous, non? Oui. Ah, je comprends maintenant. Donc, ça veut dire que Dieu vous a donné le songe là. C'est après le rêve là que vous vous êtes levé maintenant. Vous avez compris que Dieu vous envoie pour venir soutenir l'œuvre. Son œuvre, quoi. Et c'était dans le songe, c'était très sérieux. Oui, dans le sens, c'est comme ça que Dieu me parle. Quand je dois aider quelqu'un, quand il faut aider quelqu'un, il me montre la personne que je Waouh. dois aider. Oui, Waouh. c'est comme ça que je fais. Peut-être Waouh. je vois quelqu'un en route, l'esprit me pousse à donner l'argent à cette personne. Et quand je donne l'argent à cette personne, 2 jours après, je vais récolter le fruit que j'ai eu à. Oh. Beaucoup, j'ai Que tellement beaucoup Dieu vous que Dieu bénisse. Que patiente. vous avez, c'est-à-dire vous avez la vision. Que Dieu vous bénisse. Bon, peut-être. C'est bien d'obéir à l'Esprit Peut-être de c'est pour Dieu, ça. c'est bien. Il va vous envoyer les coordonnées tout à l'heure, vous comprenez? Ok. Voilà. Parce que nous sommes en train de vouloir construire l'église de Dieu. Vous voyez?
Et tous ceux qui vont se connecter à ce ministère, qui vont appeler pour dire prophète, je veux soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que beaucoup appellent seulement pour dire je veux la prophétie. Mais tous ceux qui vont se connecter pour appeler aussi pour dire prophète, je veux soutenir l'œuvre de Dieu. Je veux construire la maison de l'Éternel, mon Dieu, avec vous, prophète. Tous ceux qui vont faire ça, ils vont voir. Sauf si Dieu ne m'a pas appelé. Moi, j'aime toujours dire ça. Parce que moi, je suis... Pardon? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens, ce que j'ai oublié, ce que les gens oublient, c'est que on ne peut pas louer Dieu sans soutenir l'œuvre de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On veut construire une maison, l'église de Dieu. Et l'église de Dieu que nous voulons construire là, le budget de ça, j'ai estimé ça dans ma tête, avec la radio qu'on va ouvrir, ça part à 100 millions de francs CFA. Écoutez-moi bien, hein? 100 millions de francs CFA. Je suis un jeune dans le ministère. Je viens de commencer, mais Dieu m'a dit avance. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a dit quoi? Bien sûr. Avance. Voilà, Dieu m'a dit, je t'ai établi. Dans le songe, oui. Dans le songe, j'ai vu un rang qui mettait l'argent dans la corbeille. Je ne peux pas vous mentir parce que vous êtes un... Je ne peux pas. Non, vous ne pouvez même pas. Oui, allez-y. La paix, parce que moi, je ne voyais pas le visage. Je voyais seulement quelqu'un qui parlait soutenir l'œuvre de Dieu après le témoignage de la dame. Il y avait un très long rang. Wow. Très long rang qui mettait l'argent sur la corbeille. Et moi, je me suis levée, j'ai mis l'argent sur la corbeille parce que ça m'a tellement touchée. Wow. Après, c'est bien. Quand je me suis réveillée, j'ai su que, comme je voulais vous rencontrer, vous parler cœur à cœur. C'est ma première fois de confesser ce genre de choses. C'est là où j'ai su que c'était vous parce que j'avais déjà cela en tête à cœur. Wow. Est-ce que vous ne m'avez même pas parlé du rêve là? C'est moi qui vous parle de ça parce que quand je priais, Dieu m'a dit que vous avez rêvé de moi, qui vous a donné un songe sur moi. Un songe. Hein? Oui. Bien sûr. Voilà. Donc, moi je soutiens l'œuvre de Dieu. Moi je ne peux pas prier Dieu sans soutenir l'œuvre de Dieu. C'est impossible. Là, c'est lui qui me donne. Amen. Ça c'est bien. C'est lui qui me donne. Amen. Ça c'est bien. Wow. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, toute personne qui vont, tous ceux qui vont se connecter à ce ministère pour contribuer, pour construire la maison de l'Éternel, mon Dieu, lui-même, il va voir. Ce n'est pas que, vous savez qu'aujourd'hui, moi, on ne sert pas Dieu, c'est mal avec la bouche, on dit qu'on sert Dieu. On sert Dieu, on montre, on démontre qu'on sert Dieu. Voilà, on démontre qu'on sert Dieu. On démontre qu'on aime Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui vont, parce que je suis en direct là sur YouTube. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui vont se connecter à cette alliance que Dieu a mis. Pardon? Moi, je suis dedans, puisque depuis, je vous avais envoyé le message, envoyez-moi les coordonnées, je vous envoie l'argent de la dîme. Amen. Je vais vous envoyer, il n'y a pas de problème, ma fille. Je vais vous envoyer. C'est que je suis occupé, justement. Donc, je suis en train de passer un message sur YouTube, que tous ceux qui vont se connecter à ce ministère, à cette grâce que Dieu a déposée sur ma vie, tous ceux qui vont se connecter en venant participer. Parce que le budget, j'ai estimé ça à 100 millions de francs CFA. Et nous allons le faire. Dieu m'a dit avance. 100 millions, moi je n'ai jamais touché 100 millions. Mais je sais que Dieu va le faire. Est-ce que vous comprenez? Tu dis que j'avais vu un rang, un long rang qui mettait l'argent dans le oh. Je revois encore le songe là comme ça. Dieu vous a montré un long rang qui venait se connecter. Oh, j'aime ça. Dieu, c'est-à-dire, vous savez... C'est ça que je suis en train de donner cette annonce, c'est que nous allons construire la maison de l'Éternel, notre Dieu. Et l'église que nous allons construire est estimée, d'après ce que j'ai fait comme calcul, à 100 millions de francs CFA. Je ne sais pas combien de, je sais pas combien ça fait en euros, mais en CFA, ça fait 100 millions. Et nous allons construire ça, oui, avec la radio. Nous allons ouvrir une radio, une chaîne de radio. Et tout ça, ça va se passer au niveau du Cameroun. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, pour le moment, nous voulons faire ça au Cameroun. Et nous allons ouvrir avec une chaîne de radio. Une chaîne de radio. Pour évangéliser.
pour évangéliser. Bien parce sûr. Que nous voulons étendre, nous voulons gagner le maximum d'âmes. Vous voyez? Bien sûr. Parce que Dieu m'a dit avance. Dieu m'a dit ça clairement, que avance mon fils, avance. Donc nous allons le faire. Bien sûr. Par cette alliance avec Dieu, nous allons le faire. Donc que Dieu vous bénisse ma sœur. Donc en même temps, j'ai lancé l'annonce là sur YouTube. Pour tous ceux qui veulent se connecter, appelez-moi. Même si c'est 5000 euros que Dieu vous marque de venir s'aimer dans ce ministère, venez s'aimer. Même si c'est 10 000 euros, il n'y a pas de prix quand on sert Dieu. Moi, tout ce que je reçois, ça part sur l'œuvre de Dieu. Moi, tout ce que c'est un sacrifice, c'est une alliance que j'ai faite avec Dieu. Donc ce que j'ai, c'est seulement ce que je mange. Même acheter les vêtements, je me suis tout privé, tout. Parce qu'il faut que je m'occupe de la maison de mon Dieu. Je dois construire la maison de mon Dieu. Après ça, je veux maintenant me faire plaisir. Ça, c'est mon vœu. C'est mon alliance avec Dieu. Ce qui fait que depuis que je fais le ministère, je n'ai jamais mangé même un centime sur l'argent qu'on a donné pour s'aimer, pour l'œuvre de Dieu. Je n'ai jamais. Pas que je n'ai pas le droit. Hein. J'ai le droit. C'est ma part que Dieu donne en tant que serviteur. Mais je n'ai jamais mangé tout simplement parce que j'ai fait cette alliance avec Dieu que nous allons construire la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mm-hmm. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent oui, je vais envoyer. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Quand vous allez envoyer, je vais vous envoyer les coordonnées tout à l'heure. Vous filmez juste le reçu. Okay. Vous m'envoyez et on va prier avec. Je vais prier avec vous. Et Dieu va se souvenir de vous. Est-ce que vous comprenez? Rien que parce que vous avez obéi à ce songe qu'il vous a donné là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous comprenez, non? C'est comme ça que Dieu montre, oui. C'est comme ça qu'il montre. Quand il montre, surtout quand j'ai quelque chose à cœur, il me le montre. Voilà. Mais c'est tous ces jours que j'ai un peu perdu ça. Mm-hmm. À cause des bêtises. Justement, on a prié pour ça, il n'y a pas de souci. Dieu vous a pardonné, vous comprenez? Okay, voilà, okay, donc avancer maintenant seulement avec Jésus. Vous comprenez, non? Ok, homme de Dieu. Ok, que Dieu vous bénisse. Shalom.